Les super mécanimaux partent en mission. Les super mécanimaux, oui, ensemble on peut tout faire. Rex, mécanique costaud. Licorne, mécanique volante. Komodo, mécanique tricolore. Petite souris, mécanique rapide. Sasquatch, mécanique extensible. Les super mécanimaux, mécanique, faut pas s'en faire. Ensemble, on sait vraiment tout faire. Ensemble, on sait vraiment tout faire. L'île du Robot Ranch. Les super mécanimaux partent en mission. Bonjour les mécanimaux. Bonjour petite chouette de l'île. J'ai une mission très importante pour vous. Ouais. Votre destination est l'île du Robot Ranch, où se trouve un ranch dans lequel habite Ya-Ya, un cow-boy. Un cow-boy! Le problème, c'est que son taureau mécanique s'est échappé. Et le cow-boy n'arrive pas à le retrouver. Il s'est échappé? Ça ne va pas, ça. Votre mission est de retrouver le taureau et de le ramener au Robot Ranch. Mégani, en êtes-vous capable? Nous, les super mécanimaux, on peut tout faire! On est parti! On y va! En avant! Youpi! Ouais. Génial! Ouais! Ouais! Nous sommes arrivés sur l'île du Robot Ranch. Regardez là, j'aperçois un cow-boy. Hey, salut cow-boy, peux-tu nous indiquer le chemin du Robot Ranch? Hey cow-boy, je t'ai parlé, tu ne m'as pas entendu? Bon, écoute-moi bien, je voudrais... Ce n'est qu'un cactus. Ce chapeau te va à merveille. En attendant, on ne sait toujours pas où est le ranch. Merci, monsieur le gentil cactus. On y va, les amis. On a trouvé le Robot Ranch. Salut, cow-boy. Il paraît que votre taureau vous donne plus de soucis qu'un serpent à sonnette dans un pré. C'est comme ça que parlent les cow-boys. Il dit qu'il n'a jamais vu une chose pareille. Soudain, sans aucune raison, le taureau est devenu fou et a foncé à travers la barrière. Mais il doit y avoir une raison. Où était-il à ce moment-là? Il s'apprêtait à nourrir le taureau. Il a sifflé très fort pour que le taureau vienne manger, mais celui-ci s'est enfui en défonçant la barrière. Peut-être que l'animal n'était pas content de sa pitance. C'est un autre mot qui veut dire nourriture. Il est sans doute allé se remplir la panse ailleurs. Tu parles exactement comme un cow-boy, Sasquatch. Super, mécanimaux, on va trouver cette créature. Je veux dire ce taureau, et vite. Vous avez vu la barrière? À mon avis, il doit être drôlement costaud. C'est certain, mais comment va-t-on le retrouver? Il pourrait être n'importe où sur l'île. Dans l'ancien temps, les cow-boys retrouvaient leurs animaux en écoutant attentivement les sons qu'ils faisaient. Excellente idée. Essayons d'écouter les sons que pourrait faire ce taureau. Tout ce que j'entends, c'est Sasquatch qui siffle. Désolé, je sifflais sans réfléchir. Attendez, j'entends quelque chose. Écoutez. On dirait le bruit d'un animal qui est en train de mâcher. En reniflant bruyamment, exactement comme le ferait un taureau. Dis-nous de quelle direction viennent ces bruits, petite souris. Ils proviennent de là-bas. Le taureau mécanique. Maintenant, on a vraiment l'impression d'être dans le Far West. Hi-ha! Hey, le taureau.
t'inquiète, on est venu pour te ramener au ranch. Sasquatch, fais attention. Les taureaux peuvent te foncer dessus sans prévenir. Hein? Ah. Oh. Tu as vu ça, Komodo? Les taureaux peuvent te foncer dessus sans prévenir. Merci de m'avertir. Il va falloir trouver un moyen de s'approcher de lui sans qu'il s'en aperçoive. Ensuite, on va prendre doucement son harnais et on le ramènera au ranch. Mais le taureau ne nous lâche pas des yeux. Jamais on n'arrivera à s'approcher de lui. Il va nous voir arriver, c'est sûr. Non, pas si on arrive au-dessus de lui. Je suis la meilleure pour faire ce genre de travail. Place à la licorne. Mécanique volante. Sasquatch, est-ce que tu acceptes que je t'emmène? Avec plaisir, licorne. On reste calme, le taureau. Beau travail, Sasquatch. Oh, mais je m'y connais, moi, en taureau. Oh, gentil, le taureau. Du calme, arrête. Laisse-moi descendre. Très intéressant. Quand Sasquatch s'est mis à siffler, le taureau est devenu fou furieux. Et il s'était aussi enfui quand Sasquatch avait sifflé un peu avant. C'est vrai. Et rappelez-vous de ce qu'a dit le cow-boy. Il a sifflé pour que le taureau vienne manger. C'est là que le taureau a défoncé la barrière. J'ai compris. Dès que le taureau entend siffler, il s'enfuit à toute allure. Ce qui veut dire qu'il ne supporte pas les sifflements. Eh bien, au moins on a résolu un problème. Mais il nous reste encore à ramener ce taureau. Les super mécaniments passent à l'action. Le taureau continue de s'enfuir. On n'arrivera jamais à le rattraper. J'ai entendu dire que les taureaux chargeaient en voyant quelque chose de rouge, comme un drapeau rouge ou encore une cape rouge. Un bandeau rouge, tu crois que ça marcherait? Oui, ça pourrait marcher. Mais celui ou celle qui tiendra le bandeau aura intérêt à être assez rapide pour rester à distance du taureau. Moi, je peux être rapide. Petite souris. Mécanique rapide. Petite souris, écoute, ce taureau est très fort et très puissant. Tu es certaine de vouloir faire ça? Les super mécanimaux sont capables de tout faire. Elle est aussi rapide qu'une fusée. Hé! Ouh, monsieur le taureau! Attrape-moi si tu peux. Regardez, ça marche! Le taureau la poursuit. Venez, les amis, retournons au ranch, nous aussi. Yip, yip. Par ici, le taureau. Bravo, petite souris. Ouh, génial. Eh bien, tu parles d'une balade. Je te remercie, taureau. Il a dit merci de m'avoir ramené mon taureau. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de réparer la barrière pour que le taureau ne puisse plus s'enfuir. Pas de problème. Il va falloir simplement la remettre en place. Pour ce faire, on va devoir la soulever. Un instant. Sasquatch, le cow-boy, est venu vous donner un coup de main. Elle est trop lourde. Nous ne sommes pas assez forts. Ça, c'est un travail pour... Rex! Mécanique costaud! Cowboy, on adore regarder Rex soulever les choses. Encore un peu plus loin, Rex. Et voilà, le taureau mécanique est bien à l'abri dans son enclos. Super Mécanimo, mission accomplie.
Merci pour l'aventure, je me suis cru au Far West. Ça me donne envie de vous siffler un petit air, si ça ne vous dérange pas. Ça squatch, non, surtout. Ne siffle pas. Désolé, j'ai fait une bêtise. Je sens qu'il va falloir qu'on se remette au travail, les amis. Mécani, en sommes-nous capables? Nous, les super Mécanimaux, on peut tout faire. Wouhou!